T'as pas encore lancé ton stream? Non, pas encore. Eh bah attends, comme ça, je vais en profiter, je vais faire l'intro YouTube. Et coucou, aujourd'hui, on va se faire un petit let's play horrifique sur LA map qui s'annonce comme étant la map horreur de cette édition. Et pour l'occasion, je suis avec le gros Tommy Chaz. Coucou Tommy! Alors, moi je suis VTuber streamer pour le coup, vous me trouverez plus sur Twitch. Je fais pas mal d'horreur, d'où le fait que je me trouve avec Kana ici. Et voilà quoi, c'est ce que je fais en gros. Et puis du coup j'ai été invité par Kana ici présente pour tester cette nouvelle map et on a hâte d'y aller du coup. Faut que je m'hydrate Kana, attends je vais faire des mouvements bizarres, c'est normal hein, j'arrive. Je suis pas du tout en train de filmer, t'inquiète pas. Ok. Alors, est-ce que tu flippes? Un chouïa. Mais j'ai trop hâte d'y aller en vrai, ça a l'air trop bien. Comme si un même mot d'ordre avait été donné en secret, voilà que les mondes de VRChat se parent peu à peu de mauvais torrents. Au revoir, les peluches réconfortantes, et bonjour aux citrouilles grimaçantes. Oui, nous y sommes enfin. Le Spooky Months vient de débuter. Dans cette vidéo, je vous invite donc à me suivre lors de mes sessions de jeu tournées lors de ce mois pas comme les autres. Des fois, je serai avec des amis. Parfois, je serai seul. Des fois, nous irons nous rendre témoins du chaos des mondes publics. Parfois, on se glissera dans des soirées événementielles, plus ou moins privées. Mais, surtout, qui dit Halloween dit... Classique mais efficace. Pour vous immerger complètement et profiter de l'atmosphère, nous vous recommandons de jouer avec un monde à 85 et 95%. Allez, je monte. Non mais c'est jamais, 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 jamais. J'accepte pour l'occasion de me mettre à 40% mais pas plus. Hein. Je suis actuellement à 90%. Je vais décéder. T'es un grand malade. Attends, 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 attends. Phasmophobia, c'est la peur des fantômes? Il me semble. Oh mince, c'est mon cas. Automatonophobia, c'est la peur des auto... Oh, des mannequins et tout ça. Ah, ça c'est moi ça! Adieu. Je lance. Bon bah, let's go. My body froze as I heard the noise over and over again, softly coming from the closet door. I tried to relax myself by thinking that all the noise that I heard was just a rat or some other animal that was spending the night in the closet while the cabin's owners were away. Silence filled the room again, but it wasn't a safe kind of silence. The vacuum of sound in the air was the type of silence that happens in a movie just before something jumps out at you. And just when I began to calm myself down, the doorknob to the closet began to jiggle and turn very slowly. My heart was racing out of my chest as I saw and heard the knob turn, and every inch of my body wanted to bolt out of that bed and out of that cabin before whatever was on the other side of that door got out after me. And my eyes widened as the door to the closet opened slightly, and I saw what looked like a dried head attached to an elongated neck pop out of the opening, followed by a skeletal body. I thought that this was it for me. The creature would kill me tonight, take me away, torture me, then kill me, and nobody would know what happened to me. Nobody would find my body out here. Nobody would know my story. As I thought of everyone I ever loved being yanked away from me in this one moment, I braced myself for the worst, making the last thoughts I would ever have about the people who I loved. You better pay attention now, cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaken, well, there's something very wrong. Cause this may be the last time you hear the boogie song. Ooh, ooh, ooh. Well, I'm the oogie boogeyman. Le Rocky Horror Picture Show est une comédie musicale culte de 1975. Teinté de culture horrifique et de science-fiction, le film a atteint à l'époque un statut complètement culte. Et il était d'usage, alors, de se rendre aux projections costumées comme les personnages et monter sur scène afin de reproduire les chorégraphies et les chansons. Et, surtout, le Rocky Horror Picture Show est un film particulièrement queer.
prônant une certaine liberté des mœurs, voire des corps. How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little broad guy. When you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. It's cover. Much of a man by the day, but not a one hell of a lover. Sweet transvestite from transsexual. Why don't you stay for the night? Maybe I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for a little man. Attention, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Do you want my liver or something, dude? No. I see why my daughter enjoys your show now. Ever heard of Silent Garden, Miss Gray? The max security prison off the coast of North Carolina. En gros, ce qui se passe en fait, c'est que on est avec une influenceuse, de ce que j'ai compris, qui va faire sans doute le tournage de sa vie. En tout cas, c'est ce que le mec au téléphone lui a proposé. Et du coup, elle va visiter une prison abandonnée, de ce que j'ai compris. Et voilà, faire du contenu, quoi. Donc ça démarre comme ça. Mais je pense que ça va très mal tourner. Au revoir, chez mon petit appartement. Au revoir, le monde. Profitez, c'est le moment chill de la vidéo. Après ça, il n'y en aura plus jamais. Pense à la photo qu'on prendra à la fin, quand on aura terminé la map. Oh, putain, ouais. Trahison de map horreur, hein. On prend toujours une photo à la fin pour dire qu'on a survécu. Oh, oui. Et si on survit pas? Mais c'est le Styx, le machin, quoi. C'est... Ouais, pour une prison, je m'attendais à des trucs un peu moins... design. Elle est belle, la map. Je suis littéralement... J'ai de l'eau jusqu'... Bah, tu le vois, jusqu'en haut de mon bidou. Elle est bien rouge, ton eau. Elle est très très rouge, oui. On fait ça pour le content, hein. Mais dans tous les sens du terme, puisque le scénario tourne autour de ça. Oh là là. Cana. Il y a des mains là-bas. Il y a des mains dans le puits là. Ah la vache, t'as raison. C'est des mains là dans le puits. Attends, j'avance. Qui est-ce? Oh! A bougé. You're there on the beach. You're there. I'm here. I'm funny. You're there. Alright, here's Donald Trump on the beach looking at his yacht. My yacht that I... What happened to my yacht? It's a piece of junk now. I've been robbed. What the hell? I love his evil laugh. I love the evil laugh. It was very evil. It's not evil. Oh, okay, he's back. It's charming. Oh crap, oh, he's back. If you want to hear a real evil laugh, behold... All right, I want to hear. Give me. Et l'heure est enfin venue. L'heure est enfin venue de tester The Smell Room partie 2. Un peu de contexte. The Smell Room partie 1, quand elle est sortie, a instantanément retourné le game. Son auteur est Crispy et. Dès cet instant, devenu le maître de l'horreur sur VRChat. Rien que cela. Mais cela, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et depuis lors, on attendait tous et toutes avec grande impatience la partie 2.
Mais voilà qu'aujourd'hui, pour cette édition 2024 de Spookality, il nous a sorti la démo. Nous allons donc aller la tester de ce pas. Ok, waouh, l'atmosphère elle est quand même chargée. Hein. On est de retour dans ces maudits tunnels, et surtout... Regardez, qui revoilà. Regardez-moi cette saleté de porte. L'entrée de la Smell Room. Ça m'avait à la fois beaucoup manqué et pas manqué du tout. That strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft. But one I never switch, 'cause there's no nicer witch than you. It paints a picture with any more detail. Okay, the Four of Cups. All right, so this one speaks of a little bit of, like, discontentment. Like, you're all right, but you're not exactly where you want to be right now. You want this cup that's over here, but you also know you're fortunate to have these cups in front of you. So you're not, like, miserable, but you're also not really where you want to be. Yeah, that definitely makes sense. Especially with, like, all that's been kind of going on, going from, like, job to job. Or, like... doing a bunch of little jobs, but wanting a bigger, more fulfilling, like, art job, definitely. Yeah. So, yeah, that definitely makes a lot of sense. Oh, I love how, like, tarot cards just completely speak to what is going on. Wow. So, yeah. Oh my gosh. Those are doing cold readings, but, I mean, it's encouraging you. I think it's... Ce sera toi au bout de 3, 1, 2, 3, droite. On passe à droite. Ouais. Je t'en prie, à ton honneur, je... C'est le pire ça, c'est le pire cauchemar de Cana, mesdames, messieurs. Et bon, le mien aussi, mais c'est pas le pire, moi, ce sera les mannequins. Ouais, j'avance. À ce point-là. Cana. À ce point-là. Cana. Oui. Elle est pas gentille. Je te laisse y aller. Hein. Oh la vache, je veux pas y aller. Je veux vraiment pas y aller. Je vais pas te mentir, je veux vraiment, vraiment pas y aller là. Je... Allez, courage, Cana. Oh la vache. Les mannequins, ma pire peur. Là, je suis vraiment très mal à l'aise parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait peur dans les jeux d'horreur de base. Et d'avoir ça en VR, c'est... Ah, c'est un cauchemar là. Oh, ils ont vraiment une sale tête en plus. Hein. Oh là 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 là. Ils sont pas beaux du tout. Ils sont pas du tout beaux. Oui, je pense qu'on peut le dire. Il y a un couloir là, si jamais. Bonjour. Ah, pire cauchemar. Bonjour. Attends, ouais, je vais faire pareil. Hey. Tiens, top là. Yeah. Allez, c'est les fans, hop. Allez. Top. Oh mon dieu, c'est terrifiant.
Qu'est-ce qui se passe, Tommy? Je te vois. Il y a encore des mannequins, c'est ça? Il y a encore des vilains mannequins? Et ceux-là, en plus, ils sont encore moins beaux que ceux d'avant. Et c'est pire. C'est vrai qu'ils sont pas. Ils sont pas très goulayants. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. So peut-être aurez-vous remarqué l'inspiration d'El Dia de los Muertos de mon propre costume d'Halloween. Et ce choix n'est pas totalement innocent. C'est de longue date maintenant que je suis investi par l'esprit de cette festivité mexicaine. L'idée, simple, que célébrer la mort est une autre manière de se rappeler que l'on est en vie. Il en va de même pour les maps horrifiques. Avec les sens ainsi poussés dans leur retranchement, rares sont les moments de notre vie de tous les jours où l'on peut se sentir aussi animal, aussi dans l'instant et, surtout, en vie. Ce même souffle vital, cette même vibrance créatrice, que l'on retrouve dans tous ces événements culturels aussi généreux que passionnés. Car, toutes ces célébrations halloweenesques ne seraient-elles pas juste une excuse pour imaginer, s'amuser et, surtout, de se donner un prétexte pour passer du temps avec ceux et celles que l'on aime? Elle est insane en vrai, elle est géniale.